Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors c'est le dernier horoscope de l'année et ce sera d'ailleurs le dernier horoscope que je réalise avec uniquement les lames majeures du tarot de Marseille. Il y aura un petit changement pour le début d'année, j'aime bien un peu bouger les choses chaque fois qu'on commence un nouveau cycle. Et donc ce sera le cas, on verra ça eh bien, aux alentours de Noël quand arriveront les horoscopes de 2016. 17 de janvier 2017. Donc, alors ce mois-ci, c'est un mois qui semble un peu être tendu dans l'attente d'une réponse, d'un message ou d'une nouvelle, d'un accord. On dirait, je pense que c'est plus l'idée d'un accord, comme si on espérait obtenir le boulot, le prêt, l'acceptation, le bail, la voiture. Il y a quelque chose qu'on semble attendre, mais c'est vrai qu'avec le pape, il semblerait que c'est quelqu'un ou une instance supérieure qui sera en mesure de donner son accord. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes en mesure de décider de ce changement. Vous attendez que on vous donne cette approbation pour pouvoir soit débarrer un projet, soit bref, il y a, vous êtes, je ressens dans les cartes qui se rencontrent dans ce tirage, l'idée que on a peut-être fait une demande et on attendait la réponse. Alors peut-être que c'est une réponse que vous attendiez plus et elle va tomber ce mois-ci et vous allez être genre aux anges parce que limite ça vous étiez pas presque sorti de la tête, mais vous aviez peut-être un peu baissé les bras. Ça a été une traversée du désert pour avoir je sais pas, cette autorisation, ce papier, cette bref, et donc vous l'obtenez. Désolé. Vous l'obtenez vraiment, peut-être même in extremis. Vraiment, il y a le côté un peu, presque ça vous tombe dessus en disant trop bien, quoi. C'est vraiment possible parce que l'ermite qui se trouve dans les obstacles peut nous parler d'une longue période qu'on a subie où à ce niveau-là, on a été restreint, quoi. Et ça peut être une période d'attente, quoi, qui a été vraiment longue et qui vient, qui touche à sa fin. Et on se sent libéré de ce poids-là. Ça peut être l'idée que aussi il y a eu une grande période de restriction, de limitation financière, par exemple. On a dû se serrer la ceinture parce qu'on attendait ce prêt, parce qu'on attendait cette aide financière, parce que. Et puis, bon, bah, ça arrive et. Ça peut être même une décision juridique que l'on attend. Parce que la carte du jugement, ça peut être vraiment un jugement qui est rendu, tout simplement, qui fait un peu l'effet d'une bombe, mais positivement, hein, puisque la carte du pape, vous voyez, il a les deux doigts tendus, là, comme ça, en train de faire le signe de bénédiction, en fait. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a une approbation que l'on peut chercher. Après, ça peut être quelqu'un qui est plus expérimenté que nous, qui va un peu faire, qui va nous prendre sous son aile, ou qui va être un peu notre mentor, ou c'est pas impossible. Ça peut être même notre père, ou quelqu'un qui a une figure comme ça, rassurante, et qui pourrait nous aider à débloquer la situation. Parce que ça fait des semaines ou des jours et des jours qu'on est en train de cogiter sur le même sujet et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Parce que l'ermite, c'est souvent un tête-à-tête avec soi-même. Quand la carte est dans les obstacles, pour le moins, c'est un tête-à-tête avec soi-même qui est pas facile. On pourrait avoir des fois l'impression de tourner en rond sans arriver à trouver la sortie, quoi. On désespère de trouver l'idée ou la manière de sortir de la période difficile qu'on a traversée ou qu'on traverse. Hein. J'ai l'habitude de l'assimiler à une période un peu de vache maigre, hein, la carte de l'ermite. Alors, ça peut être aussi un sentiment de solitude ou d'isolement. Hein, on est un peu seul contre tous. C'est pas impossible non plus.
Mais justement, dans ce cas-là, on va arriver à briser un petit peu cet isolement parce que le jugement, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Donc, c'est des moments qu'on va passer avec des gens proches, avec sa famille, alors sa vraie famille ou sa famille de cœur, mais avec les siens, on dira ça. Et ça peut, en ce sens, contrer cet isolement qu'on pourrait s'auto-affliger, hein, c'est-à-dire on pourrait se retirer un petit peu de la vie sociale parce qu'on est anxieux face aux changements qui arrivent, on ne sait pas si on va avoir la bonne réponse, on ressasse beaucoup là-dessus, donc peut-être pas impossible. Mais la maison Dieu et le jugement qui domine d'autre part ce tirage, parce que j'ai concentré quand même ma lecture sur cet ermite et ce pape qui se rencontrent, il y a l'idée quand même d'une situation, le marasme de l'ermite, qui, par un événement, par une discussion, par quelque chose de ponctuel, vraiment qui arrive à un moment donné, c'est-à-dire quand la maison Dieu elle arrivera au mois de décembre, vous saurez qu'elle est arrivée, quoi. Ça va, paf, ouvrir les vannes. Ça va peut-être permettre une vraie discussion, ça va permettre de mettre les choses à plat, ça va permettre de se libérer de sa solitude, de cet isolement, de ce repli sur soi. C'est possible, hein. Alors, la dernière lame que nous avons pour ce tirage pour ce mois de décembre, c'est une carte qui est issue du tarot Osho Zen, qui est une relecture zen un peu, hein, bouddhiste des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Donc on est sur un plan plus spirituel et psychologique. Donc cette carte-là, c'est plus une carte de dernier conseil ou ça peut être ponctuel, quelque chose en plus sur lequel le tirage veut s'attarder. Ça peut être un message un peu plus globalisant. Là, on a la carte de remettre à plus tard, en fait. On a cette femme qui, voyez, dans un espace gris, elle regarde par la fenêtre et elle voit un paysage qui est quant à lui en couleur. Désolée, je perds ma voix, voilà. Et donc, qui est en train de voir la vie un petit peu se dérouler sous ses yeux. Ça peut être lié un petit peu à la carte de l'ermite et le fait que vous allez rentrer dans le tableau, quoi, dans la couleur, avec cette maison Dieu et ce jugement. Après, ça peut être un conseil sur des situations, des événements qu'on va avoir tendance à remettre à plus tard. Et le tirage nous dit, c'est vraiment le dicton, pourquoi remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vraiment un petit peu ce que va illustrer cette carte-là. Il y a le côté un petit peu. Il y a un côté déprimant quand même dans la carte, faut se le dire, qui me fait écho à l'ermite et qui nous dit que, en fait, le fait de remettre à plus tard ou de pas se décider à faire ce qu'on doit faire, que ce soit des tâches positives ou négatives, ça nous met dans un climat un peu de passivité, une forme d'indolence qui dégénère, si on peut dire ça comme ça, en indifférence et un peu en déprime, quoi. Donc faut faire attention à ça. Il faut rester ancré dans le mouvement, dans l'action. Hein. L'ermite, c'est ce côté très intellectuel ou très. Il n'est pas actif, hein. Il ne fait pas grand-chose à part réfléchir. Donc il faut sortir un peu de ça. On passe à l'action. Peut-être on était juste en train de chercher depuis super longtemps. Un appartement, par exemple, et on remettait à plus tard le fait d'envoyer une candidature, un dossier complet, et on le fait enfin, hein, la maison Dieu, on a une validation et puis une bonne nouvelle qui arrive. Vous voyez, sur un côté beaucoup plus concret, pour illustrer le tirage. Mais voilà un peu les énergies qui émanent pour ce mois de décembre, du coup, pour vous, mes chers béliers. Donc bah écoutez, j'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. Sachez d'ailleurs que si vous avez une problématique actuellement qui vous ennuie un peu, qui vous travaille, j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour justement répondre à ces problématiques. Donc ça se passe sur Facebook, c'est super simple. Je vous invite à m'y rejoindre, vous aurez un lien sous la vidéo. Et puis bah écoutez, je vous retrouve à la fin du mois de décembre, aux alentours de Noël. Pour les horoscopes de janvier, avec quelques nouveautés comme je vous le signalais.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on atteindra les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit. Et puis, bah écoutez, à très vite, j'espère. Prenez soin de vous et un très bon mois de décembre à tous et à toutes.